Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver dans cette petite Trick Track Télé où nous allons proposer à nos charmantes têtes blondes des petits défis, casse-tête et autres puzzles logiques histoire de développer leur cerveau séché Blue Orange et ça s'appelle Mindo, Mindo in English, yes? Yes, of course. Yes, of course. But there is no more difference between this box and the French box. Ouais, d'accord, ok. Céline est en train de dire « Si on a fait tout à l'heure, moi je… » He is in the kitchen. Céline, mesdames et messieurs, Mimo et Mathieu, c'est l'équipe Blue Orange, Blue Orange Europe. On peut le dire aussi, vous êtes tous Blue Orange Europe. Et édition. Et édition. Mimo, c'est la chef de projet. Chef voilà. De projet, Mimo. Garde à vous. C'est toi qui as décidé de faire Mindo en français alors? Eh ben non, c'est Thierry. Bon bah Thierry, on pense à toi, monsieur le patron, monsieur le directeur. Alors ce sont des petites boîtes, on les aura aussi de la même façon, ouais. Hein, qui s'ouvrent comme ça, pouf pouf, dans la collection Petit Café. C'est ça. À partir d'un seul joueur, puisque normalement c'est un petit casse-tête. Ouais. Voilà, petit casse-tête. On va y jouer, nous, à notre petite façon, juste oui. Histoire de se tataner. C'est un jeu de Thierry Desnoyelles, bah, tu m'étonnes qu'il voulait le faire en français Thierry. C'est illustré par Uminati et Zilu. Minati, les illustrations que bien connues, Blue Orange, un cerveau à partir de 5 ans et 10 minutes de son, je ne faut pas chercher ces germains, des fois je me fais avoir, c'est illustré par Uminati. Donc normalement, Céline nous rattrape. Il y a plusieurs niveaux, ça veut dire que quand on y joue tout seul, on découvre… Tout à fait. Pouf, c'est plusieurs boîtes, hein, ouais. Je vous montre les deux boîtes. Ça sortira avec 4 thématiques différentes et c'est… Tous les challenges sont différents aussi dedans, c'est pas les mêmes tuiles. Oui, de l'un à l'autre. On n'a pas juste changé l'habillage, c'est des nouveaux challenges dans chaque boîte. Donc après les chats, les chiens, il y aura… Il y a des robots et des licornes. Exact. Ouf, des licornes, ben, bien sûr. À partir de 5 ans, un joueur. Donc, Céline. J'ai pas de préférence. Ouais, d'accord, moi je déteste les chiens, ils sont trop indépendants, rien à faire avec eux, puis je pense que c'est des extraterrestres, donc ça voilà. Bien, donc tu prends les chiens. Tac, t'as tous tes petits puzzles. Tous des tuiles qui sont recto-verso. Ok. Des… Donc il y en a deux des simples carrés. Ouais. Qui ont souvent constitué les éléments de départ du challenge. Les petites jaunes. Et toutes les autres sont des dominos recto-verso. Donc, et puis. Et tout un petit paquet de 60 cartes challenge avec différentes couleurs qui sont les différents niveaux de difficulté. Ah oui, d'accord, je suis en train de regarder toutes les solutions et de les apprendre. Pardon. Donc, tu as tous les niveaux verts, bah, c'est vraiment le plus simple. Ouais. Où il peut même, il me semble, tu me diras si j'ai des bêtises, ou tu me diras pas si tu sais pas. Clin d'œil, clin d'œil. Il peut y avoir plusieurs solutions des fois sur les verts. D'accord. Alors que sur les… Bah, plus on va en difficulté, plus il n'y a qu'une seule solution possible dans la manipulation des tuiles. 1, 2, 3… On a montré qu'il a fait en sorte pour… Enfin, qu'il n'y ait pas de plusieurs solutions. Mais… Sur les verts aussi. Sur les verts. Pas sur les vertes, mais… D'accord, en tout cas, oui, c'est ça. Sur les suivantes. Bah oui, forcément. Donc, l'objectif est de reconstituer le puzzle. Voilà. Pour valider le challenge. Pour valider le challenge. Alors, normalement, on joue tout seul. Juste histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ben, on va se le faire en équipe de deux. C'est ça. On fait un vert, un jaune, un orange, un rouge. Allez, d'accord. On choisit le même numéro. Allez, Céline, tu choisis un numéro entre 1 et 25. 12. On prend la 12. Ça n'a rien à voir, hein, parce que ce n'est pas les mêmes boîtes, mais on fait semblant. Genre, alors, hop, moi, je le mets ici. Vous êtes prêts à perdre, ça va? Et du coup, là, dans les verts, il faut retirer les 3 tuiles où il y a des petits verts. Ah, ouais, dit. Merci, Céline. Précision. Précision hyper importante. Donc, en gros, on n'a que ça. La fiche nous dit qu'on démarre avec un chien sur le côté. Et la niche également. Ouais, la niche n'est pas là. Alors attends, je vais le mettre en caméra déportée, comme ça au moins, quitte à se ridiculiser que ce soit en grand écran. Voilà. On a déjà trouvé. Ah, mais oui, mais toi, pendant que je parle, tu t'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, il n'y a pas de rose. Ah si, d'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse automatiquement. Comme ça. C'est bon. Merci. Et on a gagné. On a gagné. On retourne. Gagné. Non, c'est pas ça. T'es d'accord. Ah, c'est ça. Et ils sont pas trop de deux, hein, en face. Non, mais Céline a tout fait, hein. Moi, je… Fais voir. Mais… Ah oui, mince. Heureusement qu'il y a Germain dans la règle. Germain est là pour C'est complètement dire. De ma
faute. Germain est là pour nous dire. Allez, le premier défi. Mais en fait, on pourrait jouer comme ça. Le premier défi, il est pour vous. D'accord. Ça, comme ça, ça fait les gens, ils achètent deux boîtes. Deux boîtes. C'était pas du tout ce qu'on voulait faire. C'est juste que nous, on joue à plusieurs. Tu prends le numéro combien? Le 30. Pif. 30. Du coup, on remet tout. Là, oui, on remet tout. Absolument. Tout. Et les seules choses qu'on sait, c'est que la niche est ici et que le chien est grosso modo dans le coin. On a ça. Ah, mais ils ont. Non, stop. Bah, on met l'installation. Tu fais nous, on commence. D'accord. Ils ont pas. Ils trichent. C'est parti. Sur les gens, on a des petits indices déjà. Attends, est-ce que t'as un verre violet? Il est là, le verre violet. Non, mais un deuxième. Ah, un autre verre violet. Ah, puis c'est un chien comme ça en plus. Ah mince, donc, c'est celui-là alors. Ok. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir un verre vieux. Ou alors un verre tout seul. Ah bah non, on n'a pas de verre tout seul. Il est impossible. Bah, un verre violet. Je sais pas si. Il n'y a pas de verre violet. Ou alors un double verre. On a un double verre? Non, il n'y a pas de tout. Tu pourrais faire ça. Et là, du coup, le verre rouge. Ok. Ah bah ou alors un verre. Ah si, un verre rouge. Ok, comme ça. C'est pas ça. Il y en a un autre intelligent. Vert. Et donc du coup, le vert violet que t'avais. Ah oui, d'accord. Le vert violet que t'avais, il est où? Il est quelque part. Ah, on vient de l'utiliser. Non, il est là. Donc ça veut dire que c'est dans ce sens-là. Ok, ça c'est good. Ça c'est good. Rouge. Oui, ça c'est pourquoi pas. Ça peut partir comme ça. Le double rouge, ça y est. Le double rouge automatiquement. Bingo. Ah, vous êtes. Vous êtes. Coup de main peut-être. Non, ne t'approche pas de ce défi. Là, nous, je sais, je me souviens, Thierry m'avait dit que le 30 dans la boîte des chiens était beaucoup plus difficile que le 30 dans la boîte des chats. À mon avis, on s'est planté parce que là, de toute façon, on déjà avec cette pièce-là, on est mort. Parce que du coup, il y a un double rose qu'on est obligé de poser ici. Et lui, voilà. En attendant. Et là, du coup. Ah non, c'est pas possible. Non, parce que ça va. Non, on continue. Hein. Ah, je suis pas très bonne. Ah non, mais moi non plus. Moi non plus. Mais le petit bonhomme là. Ah, mais oui. Ah, mais le double. Pourtant, vous avez des indices. Ah, attends, ça va. Lui, comme ça, non? Il faut le vert rouge. Il est où le vert rouge? Il est comme ça, ici. Oui, mais non, parce que là, il n'y a pas d'orange. Donc lui, on ne peut pas jouer avec celui-là. Donc on est obligé de jouer avec celui-là. Ouais. Et ça, c'est un double rose. Eh bien, alors ça va pas. Donc, d'accord, mais j'ai de le mettre comme ça. On est d'accord. Oh. Germain, t'as pas une idée? Vite, Germain. Donc là, il n'y a pas d'orange. Donc et c'est voilà. Forcément comme donc, ça. Donc le double violet, c'est comme ça. On a fini une deuxième carte. C'est bon. Et ça, c'est comme ça. C'est bon. Yes. On l'a. Bravo. On a été plus rapide que vous. On a fait une deuxième carte. On vient de finir une deuxième carte. Ouais, oui. Je m'en fous, je fais un orange parce qu'au au moins une fois on va vous battre. Prends la 35. La 35. Punaise. Germain, je monte le Tokiwoki, on va se mettre à trois cerveaux. C'est bon? Attends, on n'a pas fait la mise en place. Il y a moins d'indices. Je peux arrêter de t'aider parce que j'ai l'impression que. Mais non, arrête. Non. Ah non, t'es obligé d'avoir le rouge. 3, 2, 1, t'es parti. Alors le double rouge, il n'y a pas, donc c'est forcément orange-vert. Est-ce que t'as un orange-vert? Oui, il est forcément ici. Ok, donc il y a deux forcément... double rose, mais après ça peut être. Ouais, mais il n'y en a pas de double rose, donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement qu'on utilise après, un double rose. Où il y a ça sinon? Parce qu'il y aurait un autre vert rose. Il y a encore deux, il y a encore deux oranges. Et voilà. On a fini. Oh, vous êtes pénible. Mais c'est quand même. Mais... C'est une organisation de couleurs, les gars, là. Vous. Alors, ok. Très bien. Vous n'aviez pas commencé, pardon. Oh, bah, si. Gardez son calme, Guillaume, il a des caméras. Gardez son calme, ne pas taper sur la tête à Mathieu. Est-ce que vous avez un secret? On est supérieurement intelligent. Non, c'est pas ça, je refuse cette possibilité. Vous avez fait quoi comme analyse? Bah, tu regardes les couleurs qui sont demandées, donc tu dois mettre les dominos déjà dans le bon sens. Oui, c'est ce qu'on a commencé à essayer de faire, mais visiblement, même ça, vous êtes plus rapide que nous à le faire. Mais ouais, non, après, c'est un travail d'équipe. T'as le petit jeune qui est tout seul comme ça, donc tu sais forcément que celui qui va être à côté, ici, c'est forcément sur un seul domino. Ah, ça par contre, tu vois, voilà, ça, c'est le genre, et donc ça, c'est pareil, c'est un double rose. Voilà. Ah, bon sang, donc c'est forcément comme ça. Oui. D'accord. Et après, donc, ça t'aide. Le reste, t'as déjà éliminé parce que là, du coup, il nous faut un double orange et des doubles oranges. Ah, si c'est possible que ce soit un comme ça. Et là, il nous faut un rouge. Il est dans le bon sens. Donc tu sais que lui, il faut qu'il soit. Comme ça. Voilà. Ça, c'est le bon sens. Hein. Ouais. Là, t'as l'autre indice en bas aussi, le vert et rose. Donc ça, c'est un rose orange. Voilà. Ça, c'est un rose orange. Donc ça veut dire que c'est forcément comme ça. Ouais. Mais ouais, mais si vous nous expliquez pas tout, on fait comment pour savoir Puis après, t'as le rose rouge. Puis t'es bien. Punaise.
C'est tellement facile. Fini. C'est Céline, on se donne rendez-vous pour un petit peu d'entraînement mental. Alors le rouge, on ne le fera pas parce que cette vidéo s'achève et que malheureusement... il y en a plein des rouges. Mais tant qu'à faire et à être ridicule, autant ne pas insister outre mesure. Je crois que la démonstration est faite. À mon avis, à partir de 5 ans, c'est abusé. Parce que même à 40, c'est encore... Tu manipules. Ouais, c'est ça. Après, là, lance les faire en mode challenge, mais sinon... Mais t'es pas obligé de le faire comme ça. Mais c'est le temps que tu veux. En mode challenge, ça fonctionne très bien. Et je sais pas si on a montré, mais du coup, bah, t'as la solution. De... Ah oui, bah oui, bien vu. C'est ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû regarder directement, la solution est derrière. La solution au dos. C'est ça. Et là, au moins, ah oui, t'as même les chiens dans le bon sens, donc voilà. T'es sûr de pas te planter. Et ben voilà. Et sur les rouges, bah, du coup, il n'y a plus aucun indice. Parce que voilà, sur celui-là, on voit qu'il y a encore de temps en temps un indice. Jaune, il y en avait 2-3. Rouge, c'est... T'as juste de ta couleur jaune et tu te débrouilles. Et donc tu y passes autant de temps que tu veux, ça tombe bien que ce soit seul ou à plusieurs. Enfin voilà, quand on ne laisse pas échapper. Germain, arrête de te moquer. Vous ne l'entendez pas, mais nous on sent que à chaque fois Germain éclate de rire. C'est mine d'eau, ça arrive à partir de mine de rien, ça arrive bientôt. Oh, il en avait une. Un puzzle game, un challenge game, un mind, jeu abstrait, placement and co. À partir de 3 ans. Voilà. Mi-juin 2018. Bon, allez, on va dire 5 ans. Mi-juin 2018, un jeu de Thierry Desnoyl, illustré par des tas de gens chez Blue Orange. Il faut au moins un cerveau. J'aime pas beaucoup que tu aies mis ça, Germain, parce que j'ai l'impression que du coup, j'en ai même pas un. Pourtant, on était deux avec ces 10 minutes pour faire des petits. Comment, Germain? Oui, ouais, c'est à 2, ça fait un 0,75 cerveau. Mindo, ça coûte. Ça va être 10 euros, un peu moins. 10 euros, et il y en a. 4 différents. 4 différents dans ces petites boîtes. On peut même y jouer à plusieurs comme on l'a fait, mais c'est prévu pour y jouer en solo ou en équipe, histoire de se faire plaisir à résoudre les différents défis. Merci à l'équipe, que ce soit équipe édition ou que ce soit équipe communication. Équipe Europe. Ouais, c'est l'équipe communication. Céline, Mimo, Mathieu, il y en a qui ont des cerveaux, plusieurs. Je pense qu'il y a de la triche ou qui se sont entraînés. Si vous, vous voulez faire la même chose chez vous, bon cerveautage. Ça n'existe pas, Thomas.